Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dans une nouvelle vidéo, c'est hyper bien, on va déballer l'iPhone 7. Alors c'est le premier unboxing de cette chaîne YouTube, mais je suis hyper fier de pouvoir déballer l'iPhone 7 qui est couleur blanche. Donc on vous souhaite tout attendre pour déballer l'iPhone et le présenter. Et oui les amis, enfin ce que vous attendez tous, l'iPhone 7 d'Apple. Alors cet iPhone est sorti en septembre 2016, le 17 ou le 16 plus précisément. Alors on le trouve au prix de 760€, donc c'est toujours des prix exorbitants, mais bon c'est Apple. Hein. Donc la boîte n'a pas trop changé par rapport à l'avant. Ensuite les côtés, il y a toujours iPhone comme sur les autres boîtes d'iPhone depuis l'iPhone 3. Et sur la face avant, et arrière se trouve la petite pomme d'Apple. Et pour finir, l'arrière est exactement le même, car il y a toujours le nombre de gigas, ainsi que des informations sur l'iPhone et les codes barres. Maintenant, on va passer au moment tant attendu, qui est l'ouverture de cette boîte. Alors, s'il y a un peu de blister, c'est parce que j'ai déjà ouvert la boîte pour pouvoir voir le téléphone. Donc, on va commencer par voir la boîte. Gros changement, c'est pas comme les autres iPhones avant. Avant, il y avait, on tombait directement sur le téléphone et ensuite le feuillet dessous. Là, c'est inverse, on tombe sur le feuillet et ensuite le téléphone. Donc on va soulever le feuillet, on va voir ça après. Et on tombe sur l'iPhone 7 qui est, par rapport à la face avant, qui est exactement le même que le 6. Donc on va le sortir de la boîte. Sous blister, c'est exactement le même. Ah, l'arrière change, il y a l'objectif qui a changé qui est plus gros. Sinon, bah, il y a toujours la pomme et le logo iPhone. Sinon pour le reste, il y a toujours la prise secteur qui n'a pas changé depuis 2013. Gros changement, il n'y a plus de prise jack sur cet iPhone, donc avec ils fournissent un petit câble mini jack qui va vers prise Lightning pardon, pour pouvoir brancher les AirPods. Et pour finir, bah, il y a le câble Lightning. Donc l'intérieur de la boîte n'a pas changé, c'est comme les autres iPhones. Maintenant les feuillets, alors gros point fort de l'iPhone. L'iPhone maintenant capte la Touch ID sur tout l'écran, sur la prise sur le bouton de démarrage ainsi que sur la prise ID, Touch ID pardon. Donc il y a la notice d'utilisation de l'iPhone dans toutes les langues ainsi que les deux logos Apple en autocollant qu'on peut coller sur des voitures ou sur des quads ou sur tout n'importe quoi. Donc cet iPhone a une grosse nouveauté, il a la certification IP67, donc il peut rester une demi-heure à 1 mètre de profondeur. Franchement la prise en main est extrêmement agréable, elle est magnifique, il est extrêmement fin. Si on l'avance, c'est exactement le même que le 6, mais le 6S. Alors ça change quand même beaucoup de ne plus avoir la petite prise jack. Aussi, le seul petit point négatif que j'avais sur ce téléphone, c'est que vu que l'obésité dépasse, eh ben, il ne sera jamais droit en fait, et il tangue quand il est à plat. Sinon, ça me l'air d'être un très très bon téléphone et je mettrai une note de 9 sur 10. Franchement, c'est un excellent téléphone et je vous conseille fortement. Il est vraiment topissime. Voilà, j'espère que cet unboxing t'aura plu. Si c'est le cas, de mettre un petit pouce bleu et t'abonner. Et avant de finir la vidéo, je voulais dire que je ferai un autre unboxing d'un iPhone. Donc l'autre unboxing, pardon, se fera fin octobre et ce sera l'unboxing de l'iPhone 8 qui sortira en mois de septembre. Donc le tout dernier téléphone d'Apple. Apparemment, il n'aura pas de bordure, etc. Ce sera un téléphone hyper bien. Et je vais peut-être faire une vidéo de présentation de l'iPhone 8. Si c'est le cas, de mettre un petit pouce bleu et t'abonner. Allez, salut !